J'ai longtemps hésité sur ce que j'allais vous proposer durant cette semaine de vacances. Un nouveau concept, quelque chose d'original, simplement une conversation avec d'autres cinéphiles. Bah ben voilà, <laughs> j'étais complètement perdu dans ma petite tête de cinéphile. Un voyage qui va se segmenter en cinq vidéos dont celle-ci n'est qu'une ouverture mais une promesse également. Celle de vous partager ma vision du cinéma, celle de vous montrer ce que je pense profondément du 7e art et celle qui me permettra de m'ouvrir un peu plus à vous avant de complètement me mettre à nu par la suite de cette petite aventure cinématographique et vidéo-ludique. Je ne cherche pas à vous apprendre plus de choses que cela sur le cinéma par le biais de ce petit format. Cela, je vais essayer de le faire par la suite de mes idées et de ma continuation sur la chaîne. Mais ce que j'aimerais simplement ici, c'est vous faire partager ma vision du 7e art. Une vision simplement faite d'idées simplement faite d'envie et surtout de passion. Une passion que je partage depuis que je suis jeune avec toutes les personnes que je connais et qui me connaissent. Et Dieu sait que parfois, ils en ont un peu marre de m'entendre parler de cinéma. Mais au fond, mon but est simplement d'évoquer ce qui me plaît dans celui-ci. Et aujourd'hui... On va le faire en divisant cette passion en cinq genres de cinéma qui ont forgé ma culture et qui aujourd'hui restent ceux que je préfère le plus voir en salle pour la simple et bonne raison que ce sont ces genres, ces petits bouts de culture sur pellicule, qui m'ont totalement fait tomber amoureux de cet art qu'est le septième. Et aujourd'hui, tout simplement, on va plonger au cœur même du cinéma de science-fiction. Ce genre est extrêmement vaste, puisqu'au sein de la littérature comme du cinéma, ce genre est né avec l'envie de se projeter dans le futur et d'imaginer ce que celui-ci pouvait nous promettre et pouvait surtout nous offrir, tout simplement. Et pour moi, il est symbolisé par énormément de choses, par des traits caractéristiques, ceux d'une esthétique marquée, allant simplement des formes très rêches et imposantes des murailles de la ville futuriste de Friesland, en arrivant jusqu'au Los Angeles néo-noir de Scott dans Blade Runner. Bref, il est indéniable que le genre a connu de nombreux changements mais qu'il a toujours gardé en tête cette idée de nous plonger au sein d'un univers propre aux rêves, mais également à la peur. C'est peut-être pour cela que j'ai choisi de parler en premier de ce genre, car pour moi, il représente tellement de choses à la fois ancré dans ma découverte du cinéma, mais également plus radicalement dans l'idée même que l'on se fait du cinéma, puisqu'en général, ces films, aussi éloignés ou proches soient-ils, ont toujours eu pour ambition première de faire voyager le spectateur, de lui offrir un moyen de se projeter et de s'imaginer l'avenir, chose que l'être humain a toujours aimé faire, que ce soit aujourd'hui, demain ou même simplement hier, en allant dans le futur, on recherche peut-être simplement à se comprendre et à comprendre l'être humain à côté de nous. Ce genre représente pour moi une certaine forme d'évocation des fantasmes les plus profonds du spectateur. Et je sais, comme ça, dit ainsi, ça peut parfois faire un peu peur. Le genre est difficile à mettre en relief car il est très subjectif. Et beaucoup de spectateurs et de réalisateurs ont souvent eu peur de celui-ci, car dans leur tête, un film de science-fiction est un film qui demande au spectateur de questionner sa vision de l'avenir, sa vision du passé, sa vision de ce que l'humanité peut, doit et sera. Donc, Demander aux deux spectateurs de peut-être s'imaginer le pire avant d'y voir le meilleur. La science-fiction m'a toujours fasciné en cela, comme s'il fallait, et même il était, obligatoire de remettre en question l'humain pour mieux placer le genre au sein de tout cela. Et en ce sens, j'adore la science-fiction pour cette idée qu'elle promet aux spectateurs, une idée qui donne des frissons, car elle va demander de craindre le pire avant d'y voir le meilleur. Donc, mais honnêtement, lorsque je vois les films de science-fiction avec lesquels j'ai grandi, je me dis que cela n'est pas une si mauvaise chose au bout du compte. Car j'en ai vu un paquet de films de science-fiction. Et j'en ai vu des bons comme des mauvais. Et étrangement, les deux m'ont marqué. Et comme tout bon cinéphile pédant qui se respecte, je suis un grand fan de 2001, l'Odyssée de l'espace. Peu prophétique en termes de vision de l'avenir, mais extrêmement réaliste quant à la vision de la société qu'offre cette œuvre visionnaire d'un des plus grands cinéastes de notre temps. Et si peut-être, quand j'étais jeune, je n'ai pas tout compris à cette œuvre, il est indéniable que le temps et les relectures qu'il nous offre donnent lieu à de grands et beaux nouveaux visionnages. Kubrick est un génie, et son génie transpire dans chaque image de cette œuvre fantastique et novatrice qui représente, à mon sens, toute l'essence même d'un film de science-fiction qui veut questionner le spectateur, qui veut le placer dans une position rarement à l'aise, mais qui a au moins le mérite de ne pas être une position flasque et vaine de sens en tant que spectateur, l'attention de celui ci étant primaire pour réussir à se mettre dans la position du personnage central à la fin et accepter que le choix qu'il fait n'est pas simplement logique, mais purement est simplement légitime et même essentielle pour la survie et l'évolution de l'humanité. Chose que nous ne semblons pas comprendre aujourd'hui à l'aube d'une technologie remplaçant doucement mais sûrement l'humain. Ma vision du cinéma de science-fiction est à la fois quelque chose qui est visuellement fantastique, mais également qui fait prendre conscience de quelque chose au spectateur. Et dans le genre le plus bel des talons reste incertain. Blade Runner, immense fresque futuriste, malheureusement un peu fausse si on en croit notre futur actuel, mais bon, pour autant. Le long-métrage qui n'a pas pris une seule ride depuis son temps nous offre toujours une vision de la technologie et du monde qui me scotche encore lorsque je le revois. Et dans le genre, je trouve que ce moment de cinéma tout simplement rare et incandescent. Cela me sidère encore. Déjà de savoir que c'est Ridley Scott qui a réalisé cela, surtout quand on voit ce qu'il nous propose aujourd'hui, mais surtout de voir à quel point il a réussi à maîtriser le genre et à le porter dans la meilleure direction possible. Une direction qui lui offre une esthétique folle, ancrée dans les années 80, mais également parfaitement dans notre époque. Très fan de nostalgie et de néon, et en ce sens, bien au-delà de son esthétique, je trouve le long métrage parfaitement actuel quant au questionnement sur cette idée d'humain ou non, de répliquant ou de pensants, de faiseurs de la société, ou bien de créateurs libres de leur pensée. C'est un film rare qui a forgé et forge encore le genre. Tout comme le cinéma de science-fiction n'a cessé d'évoluer au fil des époques et a refaçonné dans ma petite tête l'image que je me faisais de celui-ci. Comment ne pas avoir peur face à une œuvre comme Mission to Mars Film qui choisit de retracer le parcours de deux équipes d'astronautes qui vont partir sur la dite planète, l'une pour explorer, l'autre pour secourir la première. Ce film est important pour moi car il a su mettre en place une vision noire mais également prophétique de l'humanité puisqu'aujourd'hui Elon Musk veut aller sur la Lune mais également sur Mars et même surtout sur Mars. Et en ce sens, je pense que lorsque De Palma a fait ce film, qui devait simplement être un petit projet de science-fiction, il n'avait peut-être pas encore cela totalement en tête. Mais il savait que cela pourrait donner lieu à une œuvre rare et singulière. Je sais. Ce film n'est pas très apprécié par beaucoup, car considéré comme un peu trop simpliste ou peut-être nié dans son dénouement. Mais pour moi ce dénouement fut une claque, à la fois en termes de frisson mais surtout en termes d'optimisme, car pour une fois ce n'est pas un film de science-fiction qui va avoir peur du futur, chose propre au genre. C'est un film qui souhaite promettre du bonheur et des réponses aux spectateurs, des réponses qui demanderont un sacrifice, mais un sacrifice qui sonne comme évident pour un personnage émouvant et profondément juste, et presque en avance sur de nombreux protagonistes que l'on voit aujourd'hui prendre place au sein de la science-fiction. J'aime la science-fiction pour la pluralité des genres qui se sont succédés pour la refaçonner et lui donner l'image que je vois d'elle aujourd'hui. Et l'un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est peut-être le plus réaliste d'entre eux, celui que j'ai vu le plus de fois au cinéma, un film qui m'a totalement fait tomber amoureux de son metteur en scène et que je ne cesse de regarder depuis sa sortie comme si son visionnage était obligatoire pour que je puisse vivre et respirer. Gravity est un immense moment de cinéma. Un film de science-fiction qui nous met face cette fois à une peur primaire, celle de l'inconnu et du vide spatial. Donc une peur beaucoup plus ancrée dans cette idée de réalisme que dans cette optique de projection, mais qui respecte toujours cette idée de science-fiction. Cette idée que l'on puisse être mis face à une peur qui semble logique, évidente, confondante, même finalement, de vérité et de globalité. Mais qui représente également quelque chose d'universel et de personnel, une peur que je ne cesse d'avoir depuis cet instant où, étant plus jeune, alors que je voulais devenir astronaute, mon œil s'est posé sur Apollo 13 et que là, tout cela me semblait difficilement possible de survivre et de devenir un homme qui aurait peur de son propre métier. Gravity est simplement le film que je trouve être le plus abouti dans le genre de la science-fiction par le biais de ses nombreux niveaux de lecture et de sa puissance visuelle. Au final, ma vision de la science-fiction se résume simplement à cela. Beaucoup de films, mais un regard global sur chacun d'entre eux. Chacun de ces films a forgé ma vision du genre, et encore aujourd'hui, je pense profondément que sans ces films, je ne serais pas le cinéphile fou de tous les genres de septième art qui vous parle face caméra ou en voix off comme je le fais. Et c'est pour cela que je pense que la science-fiction est à la fois un de mes genres préférés, mais surtout une vision extrêmement acerbe et logique de l'être humain face à ses plus grandes peurs, des peurs ancrées dans notre réalité, plus proches que nous pourrons jamais le penser, mais surtout une peur qui semble être évidente celle d'être dépassée par nos propres agissements, et qu'un jour, alors que nous penserons être à l'abri, celles-ci viendront pour terminer quelque chose que nous n'espérions pas voir aussitôt, cette idée que nous puissions voir notre fin plutôt que nous ne le pensions. Une fin que le cinéma de science-fiction ne cesse de me rappeler, bah que malheureusement elle est très proche, et que finalement on a envie de croire, bah qu'elle pourrait être plus lointaine que cela.